Putain. Allô? Un meurtre? Où ça? C'est une blague. Les Japonais attendent leur orange pressée, tu peux t'en charger? Ouais, c'est mon premier jour, je vais être à la bourre là. Sérieux, engage un extra. Non, mais je vais le faire, promis. Sérieux, chérie? Vraiment? Salut. Tac, Chloé, file-moi un coup de main, s'il te plaît. Ah non, c'est bon, j'ai déjà fait les lignes hier soir, c'était allez, super tard. Sois cool, je coupe, tu presses. Et le travail des enfants, c'est interdit, hein. Ça veut dire quoi, raspberry jam, déjà? Confiture de framboise, maman. Et tu vois que ça sert l'anglais. Ouais, mais j'ai même pas le temps de réviser parce que je suis de corvée de lait et nettoyage H24. Arrête de te plaindre. Venez pas râler, hein, si je foire mon année. Allez, file en cours au lieu de discuter. Au fait, pas la peine de bombarder de textos, je finis tard ce soir. Et on est juste au début de sa crise d'ado. Ouais, bon, elle s'affirme, c'est tout. Je m'inquiète pas, moi. On communique bien, c'est le principal. Ouais. Ouais, c'est bien moi, ouais. Non, déjà? Oui, bon, je devrais pas le rater, ouais. Ok, je viens directement. Eh ben, ça commence fort, dis donc. Un meurtre. Bah, toi qui avais peur qu'il y ait moins d'action qu'à Grenoble. Allez, à ce soir. Pourquoi le sanctuaire est fermé? Bonjour, pardon, merci Lionel. La grotte avait ouvert ou non? Je sais pas. Bon, un homicide au sanctuaire, ça risque d'être l'affaire de l'année, si tu peux me gérer ça avec délicatesse. Non, tu me connais? Justement, oui. Pardon. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Pour l'instant, on a tout bouclé. Ah. Bonjour. Bonjour. Désolé pour le retard. Compliqué le passage. Ouais, c'est vrai que c'est pénible, tous ces handicapés en fauteuil roulant. Ah non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, Maxime, je vous présente Fiona Beznac, c'est donc avec elle que vous faites équipe. Ok, ravi de vous rencontrer. Bon, on verra ça dans une semaine. Bon, on y va? Tout doux. Molo, on n'est pas n'importe où ici. Le sanctuaire, c'est une ville dans la ville. Mais je vais le briefer. C'est ça, là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Oh! Ouais. Ah, c'est pas trop tôt? La faute est nouveau. Maxime Delahaye, le brigadier Eric Campello. Le nouveau, bonjour. Bienvenue. Alors? Il a été battu sous l'eau. Il a une plaie saignante derrière la tête. Et les ongles, regardez, ils ont été raflés. Ouais, en essayant de s'accrocher au bord de la baignoire, sans doute. Vous pouvez le sortir. Généralement, les gens viennent se baigner ici dans l'espoir de guérir. Ah. Il a aussi des contusions sur le thorax. Lors de la mort? Je dirais entre 23h et 3h du matin. Je serai un peu plus précis quand j'aurai fait l'autopsie. Il n'y a aucune trace d'effraction. Il avait sûrement les clés. Ou l'assassin, on ne sait pas qui est arrivé en premier. Tu lui fais les poches? Adrien Delubac. 55 ans. Médecin. Il vit à Toulouse. Il y avait un rendez-vous ici et ça aurait mal tourné. Peut-être qu'il était malade, il est venu se baigner en toute discrétion. L'assassin l'a chopé avant qu'il ait le temps de se déshabiller. Le médecin qui croyait au miracle.
C'est plutôt cartésien en général, les toubibs. Ouais, il y a beaucoup de gens cartésiens qui viennent ici en attendant un miracle. Tu vérifieras son dossier médical? Ok. Sûrement une carte d'hôtel? Je vais chercher. Ouais, et donne son téléphone au technicien, qui voit ce qu'il peut récupérer comme info malgré l'eau. Il n'y a pas de caméra dans cet endroit? Pour filmer des gens à poil? C'est pas trop le genre de la maison. En revanche, à l'extérieur... Je m'en charge. Et vous êtes la seule à avoir la clé des sanctuaires? Non. Ma supérieure et la femme de ménage les ont aussi. Moi, je m'occupe de l'accueil des malades. Le matin, j'ouvre les bains et... Mon Dieu, le pauvre homme. Il y a déjà eu des intrusions ici? Jamais. C'est un lieu rempli de la foi des malades. Mais qui peut faire une chose pareille? Et la nuit, le sanctuaire est fermé? Seulement les piscines. Les pèlerins ont le droit de se recueillir quand ils le souhaitent. Ah oui, ça se commande pas, ces choses-là. Merci, madame, s'il vous plaît. Ça pourrait être un crème rituel aussi. Hein. C'est un emblème très fort en l'eau dans la Bible. Symbole de purification, de renouveau. Elle lave les péchés du monde, des hommes. Le déluge. Bah non, t'as l'air d'en connaître un rayon. J'étais à l'école chez les cathos, ça laisse quelques séquelles. Ah, tu vas parfaitement t'adapter ici. Non mais, c'est inadmissible! Qu'est-ce qui vous a autorisé à tout bloquer comme ça? Oh putain, madame la mère, qui veut transformer Lourdes en parc d'attraction pour cathos? Je peux savoir ce que font vos hommes devant l'entrée des sanctuaires? Bonjour. J'ai des centaines de malades qui s'impatientent. Et moi j'ai une scène de crime à préserver, je vais vous demander de bien vouloir quitter les lieux. Et je leur dis quoi, mes touristes, de patienter sur le bas-côté? Ben, je sais pas. Combien de temps ça va rester fermé? Mais je ne sais pas. Dans 3 jours. C'est la fête de Sainte-Bernadette, des milliers de pèlerins vont débarquer. Eh ben manifestement, c'est pas encore cette année que vous allez battre votre record de fréquentation. Ah mais c'est pas possible, le Covid nous a déjà fait assez de mal. Vous allez le sortir devant tout le monde? Bon, merci pour votre visite, madame le maire, je vais vous demander de bien vouloir nous laisser travailler maintenant. Mais combien de temps ça va rester fermé? Je ne sais pas. Attendez-moi. Ouais, je comprends mieux. Ouais. La victime, le docteur de Lubac, il était pas là pour faire du tourisme. Il faisait partie du CMIL. Oh, merde. Pardon, j'ai révisé hein, l'histoire de la ville, tout ça, mais alors le CMIL, je sèche. Bon, Campello, tu termines et je vais t'expliquer. Bon, alors, qu'est-ce que tu sais de Bernadette Soubirous? Qu'elle aurait vu la Vierge un dimanche. Elle avait 14 ans, je crois, c'était en février même. La Vierge lui aurait demandé de creuser par terre et bam, une source serait apparue et depuis, bah, t'as des gens malades du monde entier qui viennent pour être guéris. Pas mal. Et combien de miracles? 50, je crois. 70. Le dernier, c'était en 2018. Et comme le premier remonte au 19e siècle, on n'est pas sur un taux de réussite optimal. Hein. Le CMIL, c'est le Comité Médical International de Lourdes. C'est un groupement de médecins qui étudie les cas de guérison après une visite à Lourdes. Et quoi, ils sont en lien avec le Vatican? Non, non, ils sont indépendants. Ils donnent leur avis au diocèse dont dépend la personne guérie, puis après, c'est au diocèse de décider s'ils parlent de miracle ou non. Ça rigole pas, l'organisation. Un gros enjeu pour pas mal de monde. Ouais, ouais. Et qui dit gros enjeu, dit mobile en pagaille. Et alors, gros business. Hein. C'est ça que je supporte pas ici. C'est... Pour mettre un cierge au sanctuaire, il faut que tu sortes ta carte bleue. J'ai jamais eu envie de partir d'ici, toi. Bah, c'est chez moi. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de demander ta mutation? Ma femme est héritée d'un petit hôtel, et puis comme elle voulait changer de vie, moi ça m'allait, c'est un endroit plus calme, plus petit. La ville, les quartiers, tout ça, ça finit par user. Tu t'es sacrifié, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais, bien sûr. Salut, c'est le nouveau. C'est par là, hein. Allô? Oui, bonjour, docteur. D'accord. Tout à l'heure. Ça va? Super. Tiens, ça c'est les codes. J'ai appelé la femme de Delubac. Elle sera là demain. Alors comment ça s'est passé? Ça va. J'avais mal au bide et la bouche sèche, mais dans l'ensemble ça a été. C'est vraiment pas simple d'annoncer les mauvaises nouvelles. Je parlais d'elle, Campello. Comment elle l'a pris? Oh! Ben, elle a pas dit grand-chose. Le choc, je pense. Ben, apparemment, le type était un bon gars, respectable. J'en ai profité pour demander s'il avait des antécédents médicaux. Et
La réponse est non. J'ai aussi vérifié auprès de son médecin traitant. Ouais. Donc a priori, pas de raison de vouloir se baigner de son propre chef dans l'eau bénite. On l'a plongé de force, cette eau devait forcément signifier quelque chose pour le tueur. Pour le relevé de carte bancaire, on est dessus. Et j'ai trouvé autre chose. Il y a 3 jours, il a déclaré le vol d'une sacoche. Cuir brun, avec ses initiales gravées. Il se l'est fait tirer en plein centre-ville. Il prenait un café en terrasse, il a rien vu. Alors soit c'est une coïncidence, là, pas de bol. Soit celui qui lui a piqué aurait pas trouvé ce qu'il voulait et serait revenu à la charge aux piscines. Mmh. Et la caméra à l'extérieur des piscines, on a les images? On vient de les recevoir. La caméra est désaxée, on voit vraiment rien. Désaxée soit par Delubac, soit par le tueur. Effectivement, on voit rien du tout. Sinon, la réunion du CMIL a bien lieu dans 4 jours. Bien, mais on va pouvoir interroger les médecins. Il n'y a pas de bureau du CMIL. Les médecins habitent un peu partout dans le monde et se réunissent une fois par an, soit ici, soit à Paris. Ah. En revanche, il y a le bureau des constatations médicales à Lourdes. Le bureau des constatations. Alors là, tu vas nous le paumer dès le premier jour. J'ai convoqué le docteur Ferroni. Tu t'expliqueras tout ça mieux que moi. OK. J'aurais besoin que vous nous expliquiez en quoi consiste votre travail, précisément. Disons que je suis un médecin un peu particulier. Parce que je ne reçois que des patients qui se disent guéris après leur pèlerinage à Lourdes. Ceux qui le veulent m'envoient leur dossier médical. Alors, pendant plusieurs années, on se voit, on se parle. Je demande de nouveaux examens. Et si je pense qu'il y a un cas de guérison inexpliqué solide, je le fais remonter au CMIL. Oui, donc vous êtes parti le docteur, c'est ça? Oui. C'est moi qui l'avais coopté. Au CMIL, ils sont une 30aine de médecins qui étudient les dossiers et qui votent à bulletin secret pour décider si une guérison est inexpliquée ou non. Merci. Merci. Il se base sur quoi? Les faits, la science. On étudie la maladie d'origine, la soudaineté de la guérison et sa permanence. Mais j'imagine qu'avec les avancées de la médecine, il y a de moins en moins de mystères, non? Et ensuite, c'est l'Église qui décide si une guérison est miraculeuse ou non. C'est ça. Et vous savez si le docteur Delubac s'entendait bien avec ses collègues? C'était un homme intègre. Généreux, gentil. Bah, il avait au moins un ennemi, sinon on ne serait pas là en train de vous interroger. Mais ça n'a rien à voir avec son activité au CMIL. Vous savez, les membres du CMIL, ce sont des médecins, ce sont des grands spécialistes qui prennent du temps sur leur vie professionnelle, sur leur vie de famille pour assurer leur rôle. Ce ne sont pas des assassins. De plus, ils ne sont pas là. Ils n'arriveront que la veille de la réunion, s'il est maintenu. Et pourquoi il est arrivé plus tôt d'ailleurs ici, vous le savez? Non. J'aurais besoin de la liste de ces médecins. Pas de problème. Et il me faudra aussi la liste des ex-malades dont vous allez parler à la réunion. Ah non, ça c'est impossible. C'est confidentiel. Et le docteur Delubac était votre ami. Vous pourriez faire une exception, non? Je briserai pas le secret médical. Enfin, Adrien aurait fait la même chose. Je vais finir par la trouver, cette liste, hein, d'une façon ou d'une autre, vous savez ça. Peut-être. Mais il viendra pas de moi. OK. Bien, merci, docteur. Attendez. Hier, quand j'ai vu Adrien, il m'a parlé brièvement de Madame Sanchez, la mère. Il était agacé, visiblement, il s'était pris le bec, mais c'est tout, il m'a pas donné de détails. Merci. Merci. Madame Sanchez. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour revenir à une vie normale le plus vite possible. Bien, je vous remercie, Madame la maire. Je vous en prie. Je vois que vous n'avez pas tardé à convoquer la presse. Hein. Je réponds aux inquiétudes de la ville, capitaine. Il paraît que la victime est un médecin. Vous pouvez me confirmer l'info? Coupez ça, s'il vous plaît. Madame Sanchez, il faudrait qu'on vous parle, maintenant. Allons-y. Excusez-moi. L'enquête vient de commencer. Ce serait bien que vous ne compliquiez pas le boulot en racontant n'importe quoi. Vous savez que les rumeurs filent vite ici. Ma première préoccupation, c'est de rassurer les visiteurs. Donc, je ne peux pas ignorer un journaliste quand il vient frapper à ma porte. Vous avez changé des mots avec la victime. Il y a quelques jours. Le docteur Delubac, vous le connaissiez bien, non? Visiblement, vous n'êtes pas quitté en très très bon terme. Oui, je le connaissais, à force de le voir chaque année.
Mais je vois pas de quoi vous voulez parler. Excuse-moi, je sais pas comment ça se passe ici, mais à Grenoble, on a remarqué que proposer un interrogatoire au commissariat, ça déliait bien les langues. Ah oui, non, ici, ça marche très très bien aussi. Hein. D'autant plus s'il y a un journaliste à côté qui a besoin de matière pour son article. Bah, on va le faire revenir, finalement. Non, c'est bon. Arrêtez votre cirque. Oui, j'ai eu une conversation un peu tendue avec le docteur de Lubac. Voilà, c'est tout. Mais excusez-moi, la mairie n'est pas censée s'immiscer dans les affaires du CMIL. Non, mais un petit coup de pression, ça se tente. Et puis un miracle, c'est des touristes en plus. Vous étiez où, madame, hier soir? J'étais à une représentation de la comédie musicale sur Bernadette Soubirou. Vous pouvez vérifier. Ah, il y a ça aussi? Oui, on trouvera des places. Bon, la dispute avec de Lubac, c'était à quel sujet? Je lui ai soufflé que c'était important pour la ville. Trois de leurs quatre guérisons avaient l'air particulièrement solides. Vous avez eu accès au dossier des malades? Ben, une secrétaire du bureau des constatations m'a fait passer quelques infos. Dont l'identité des patients? Oui. Ben, j'en aurais besoin. S'il vous plaît. Ok. Je vous salue, Marie, de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez mis ce matin? T'as reçu la liste que je t'ai envoyée? Les ex-malades? Ouais. Ouais, on est dessus pour les localiser. Concernant les médecins du CMIL, on a vérifié. Ils arriveront bien que demain. D'après le gérant de l'hôtel, de Lubac n'a pas dormi ici les deux dernières nuits. Ah ouais? Ah, c'est étonnant, ça. Donc notre sage médecin toulousain s'en canaillait à Lourdes. Les messages sur son portable? On n'a rien trouvé. La dernière personne à qui il a parlé, c'est sa femme. 3 heures avant sa mort. Sans canaille, tu disais? Quoi? Des petites pilules bleues. Mm-hmm. Tu vérifieras avec le légiste s'il en a pris récemment. Regarde. Petite maîtresse dans le coin, c'est pour expliquer qu'il soit arrivé avant ses collègues. Alors, on aurait retrouvé des messages dans son téléphone, non? Bah, peut-être qu'il en avait un deuxième. Bah, il est pas ici. Et il est pas non plus dans la liste des objets volés qu'il avait dans sa sacoche. Il n'avait pas non plus hurlé sur tous les toits qu'on lui avait piqué son portable spécial adultère. Mais on vérifie auprès de son opérateur. Ok. Tu vois, il n'y avait pas forcément que le CMIL dans la vie de ce pauvre docteur. Crime passionnel, pas mal comme piste aussi, hein, non? Bon, plus classique, c'est sûr, mais bon. Mais là, on est à Lourdes. Tout est différent. Ah. Ce matin, c'est rien, ça. Tiens, tu vas conduire? Sûr? Ouais, ouais. Je vais tout ouvrir. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, merci. C'est bien passé? Très bien. Les affaires de Delubac? Alfred de Musset. Un grand romantique, ce Delubac. Hein. Madame la mère était bien la comédie musicale. Il y a des témoins. Et les ex-malades, là? Ceux sur lesquels le CMIL doit s'appeler? Ceux qui habitent à l'étranger vont se faire interroger par les collègues sur place. Par contre, il y en a deux qui habitent dans le coin. Une nonne? 78 ans, 1m55, 52 kilos. Ça m'étonnerait qu'elle ait eu la force de noyer quelqu'un. Bon, on sait jamais, t'as vérifié son alibi? Pas de peau, elle était à peau. Elle y fêtait son anniversaire chez sa nièce. Et l'autre? Benoît Clermont, 52 ans. C'est mieux. Il est chef d'un restaurant ici à Lourdes. Par contre, faudra attendre demain pour aller le voir. Il est chez sa sœur, à Bordeaux. Elle vient d'accoucher. Bon, les gars, je vous adore, mais moi, il faut que je file. Bon, ben, ciao, à demain. Ouais. Et Campello, tu lui présentes le reste de l'équipe?
Ça va? T'es content? Hein? Et tu supportes notre chère Fiona? Pourquoi tu me dis ça? Solidarité masculine. Elle a couché avec le patron et elle l'a planté comme une merde. Bon, écoute, je t'arrête tout de suite. Sa vie privée, je m'en fous, je suis là pour bosser, moi. Ok? Bah, ça pour bosser le boss, hein, il fait que ça. J'ai jamais le temps pour prendre un apéro après le boulot. Non, t'as vu, et elle a pas de vie, cette nana. Ouais. Ouais, c'est moi, bonjour. Oui. Pardon. Non, c'est moi qui vais venir. Ouais, à tout de suite. Et la visite aux collègues? Plus tard. Voilà. Votre vision sur les côtés, elle est altérée, non? Ben oui, j'ai l'impression de voir à travers un tube. Vous avez du mal à fixer votre regard sur une cible mouvante? Non, ça va encore. Et des éblouissements? Ben oui, ça fait comme des taches noires, ça dure quelques secondes. C'est normal. Vous continuez à mettre du collier régulièrement? Oui, mais ça me dessèche la bouche, les yeux, c'est vraiment pas très agréable. Je sais, c'est des effets secondaires courants. Pour l'opération, il faut fixer une date. Je vois pas bien l'intérêt. Ça va pas m'empêcher de devenir aveugle. C'est vrai, mais vous allez gagner un peu de temps. Fiona, ça fait des mois que vous savez pour ce glaucome. Faut agir maintenant. Tenez. Moi qui ai demandé un chien tous mes anniversaires. Je vais être exaucée. Votre arrêt de travail. Maintenant que vous allez vous arrêter, vous allez pouvoir penser à votre nouvelle vie. C'est essentiel. Vous êtes confiée à quelqu'un? Vous allez avoir besoin d'aide, Fiona. Vous ne pourrez pas gérer ça toute seule. Personne ne peut. Je vois beaucoup de patients, vous savez. Je dois y aller, docteur. Là, je la ramènerai pas, là. T'es dingue ou quoi? C'est celle qui m'a provoqué. Et alors quoi? C'est une raison pour la taper? Je l'ai pas tapée, je l'ai bousculée. C'est juste que c'est une mytho, cette meuf. Non, mais j'hallucine, là. Je sais que c'est pas cool pour toi en ce moment, mais tu vas pas te mettre à bousculer des gens juste parce qu'ils t'énervent. Je sais, mais il y a mes copines aussi qui arrêtent pas d'envoyer des trucs sur Snap. Moi, je suis dégoûtée de pas être avec elle. Bon, écoute, ma chérie, si ça tourne autant, tu te désabonnes. Hein? Super idée, comme ça, elle me montre encore plus. Mais tu vas t'en faire des copines, c'est juste une question de temps. Il y a que des malades et des handicapés. Oh! Moi, ça m'angoisse. Ça n'empêche, ça permet de relativiser. T'as plus tes copines, mais au moins t'es en bonne santé. C'est bête. Mais en bonne santé. C'est nouveau, ça? Ah, ça? Je suis trouvée par terre. Ça doit être un touriste qui a dû le perdre. C'est joli. Bah, tu vois. Elle a du bon, finalement, cette ville. Hein. Les cadeaux tombent du ciel. MDR. Tu le diras pas à maman, hein, que je me suis battue. Chloé. S'il te plaît, papa. Non. Elle est moins cool que toi, et puis elle peut pas comprendre. C'est elle qui nous a ramenés ici. Nous, on subit. Ok. Je sais que pour toi aussi, c'est dur. Ok, c'est bon, ça restera entre nous. Mais je veux plus jamais ce genre d'histoire. Ouais. C'est pas... C'est clair? C'est clair. De toute façon, c'est quoi, une petite bagarre, hein? Tant qu'on a la santé, hein? Elle est comment, ta nouvelle coéquipière? Un vrai bout en train. Comme ta fille. Elle a pas arrêté de râler parce qu'on avait pas Internet.
Bon, et toi, sinon, les clients, ça a été? J'ai fait une double résa et je me suis retrouvée avec un couple sans savoir où les mettre. Bah, fallait les installer dans notre chambre. Ça aurait peut-être pimenté notre vie sexuelle. Ah, parce qu'on a besoin de pimenter notre vie sexuelle. Alors, si je te parle de la ventilation des charges du personnel. Alors, la ventilation des charges du personnel. Il recommence là, commence. Hein. La ventilation des charges du personnel. Pas dû venir, c'était une connerie. Non, mais sûr. On est bien, là, tous les deux. Fiona, pourquoi tu fuis comme ça tout le temps? Attends, attends. C'est quoi qu'il y a dans ta tête? Hein? Notre histoire, elle est simple, elle est belle. C'est quoi qui a changé? Je suis désolée. Elle est au garage. Oh putain! Ça va. J'ai eu Campello, il a vérifié les alibis des autres miraculés. C'est du béton armé. Hein. Ok, bon, bah reste plus que notre Benoît Clermont là. Le Grand-Duc. Il a guéri d'une sclérose en plaques il y a 8 ans, il est originaire de Bordeaux. Il s'est installé dans la région il y a 3 ans pour ouvrir ce resto. Tiens, regarde. Mort mystérieuse d'un médecin du CMIL en plein sanctuaire. C'est sûr que mort mystérieuse, ça sonne mieux que meurtre par noyade. Hein. Mmh. Elle balèze dans la Sanchez. Hein. Bah ici, c'est le Las Vegas de la religion. Faut pas dégoûter le pigeon. Attends. Ouais, Campello. Les analyses toxicologiques de Delubac sont tombées. Il était bien chargé pour la nuit. Ah. Delubac avait bien pris un stimulant sexuel la veille de sa mort. La maîtresse, je te l'avais dit. Ouais, bah retourne voir Ferroni. Il était peut-être au courant d'une liaison, ils étaient amis après tout. Bonjour. Il est où, le chef? Chef! Oui? Chaud devant. Benoît Clermont? Oui? Police, on peut vous parler? Oui. Ben, patientez dans la salle, juste à côté, je viens vous rejoindre. Vous finissez l'assaisonnement, oui, s'il vous plaît, Sylvain? Oui. Sylvain, on s'active sur les coups de tête, là. Merci. Non, ça me dit rien, je suis désolé. Vous savez, je vois défiler pas mal de monde ici. Hein. Et vos clients, ils savent que vous êtes miraculé? Alors, je suis pas encore considéré comme miraculé. Ça dépendra du CMIL et de mon diocèse. Une guérison, j'imagine que c'est plutôt pas mal déjà comme argument pour faire tourner un commerce. Je sais que certains ex-malades préfèrent garder leur guérison pour eux le temps de la procédure. Ça n'a pas été mon choix, c'est vrai, oui. Mais vous avez un certain sens du marketing.
Vous savez, le vrai miracle de Lourdes, selon moi, ça n'est pas la guérison. C'est surtout la ferveur, la générosité, l'amour qui habite les gens qui viennent ici, les malades, les accompagnateurs. Il y a une vraie joie qui nous unit tous, malgré le désespoir et la douleur, vous comprenez ? Non, admettons que le CMIL décide de ne pas déclarer votre guérison inexpliquée. Pensez que vous perdriez des clients ? Et c'est pour ça que j'aurais tué ce pauvre homme ? Pour l'empêcher de voter contre moi ? Et comment j'aurais pu prévoir ce qu'il allait dire ? Bon. Et pourquoi vous avez ouvert votre restaurant ici, au final ? N'étiez pas heureux à Bordeaux ? J'ai développé une affection particulière pour cette ville. Et j'y venais très souvent, même avant le signe. Hein. Je m'y sens bien, apaisé. Et comment ça s'est passé pour vous, le signe ? C'est difficile de mettre des mots dessus. C'est toujours moins fort que la réalité. Ben, essayez. J'étais dans ma chambre d'hôtel, j'allais me coucher. Et j'ai senti un besoin irrépressible d'aller prier. J'ai marché dans les rues jusqu'au sanctuaire. Et je me suis senti comme accompagné. Je suis arrivé à la grotte. Je me suis agenouillé. Puis j'ai prié. Et très vite, j'ai senti une chaleur envahir tout mon corps. Je sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Puis je suis rentré à l'hôtel. Et le lendemain matin, j'ai été aux piscines, comme c'était prévu. Et le soir même, j'avais retrouvé la quasi-mobilité de mon bras droit. Et très vite, j'ai récupéré mes jambes. Et puis voilà. Et donc, vous avez laissé tomber votre vie à Bordeaux, vos amis, pour venir vous installer ici ? Je veux donner un peu de ce que j'ai reçu. Et j'offre souvent des repas aux hospitaliers pour les remercier d'avoir pris soin de moi. Il faut de la force, il faut du courage, de l'amour pour soutenir tous ces pèlerins. Amen. Vous étiez où avant-hier soir ? Je travaillais ici avec mon commis, comme tous les soirs. Il est là ? Oui. Je vais lui poser quelques questions, si vous permettez. Il s'appelle Sylvain. Je vous demandais de rester à notre disposition. Très bien. On aura besoin de récupérer les codes de votre logiciel de réservation pour vérifier si la victime est venue dîner. Oui, très bien. Désolé de vous embêter, Sylvain, c'est... Oui. Je peux vous parler 30 secondes ? Non, mais il touche plus terre, le mec. Hein. En même temps, il peut. Guéri d'une maladie incurable, son resto cartonne et il a la baraka, le bonhomme. Son premier était bien avec lui, hein, le soir du meurtre. Bientôt. Au revoir. Tu regardes son personnel. C'est un truc de fou, ils ont tous la banane, ils l'adorent. Il paraît même qu'il a sorti une serveuse de la délinquance. Non, il est dingue. Non, oui, alors là, toute cette charité chrétienne, moi, ça m'écœure, c'est... Il rend aux hommes ce que Dieu lui donne, non, je trouve ça plutôt louable. Ah ouais, ça y est, t'es passé de l'autre côté, en fait. Bon, alors, la mort de Delubac doit forcément avoir un rapport avec son boulot au CMIL. Après, la piste est tentante, hein, je oui, non, mais j'ai bien compris que tu penchais pour le classique triangle, mari, épouse, maîtresse, mais tu sais, ici, à Londres. Ouais, fais rien comme tout le monde, ça. Exactement. C'est ça, il y a 10 rangées, 5 rangées, ça fait 10 petites vierges. Par carton. Sympa, cette nouvelle déco. Ça se boit, ça ? Je te déconseille, c'est overdose directe. Cocaïne liquide ? Il y en a pour 200 000 balles. Mais elle vient d'où ? Espagne, j'imagine. Bingo. En partance pour la Belgique, qui irait fouiller un carton de petite vierge sans défense ? Ce serait du blasphème. Indétectable par les chiens, ils sont malins, les mecs. Hein. Tu peux me raconter tous les cartons, s'il te plaît. Ok, ça marche. Le docteur Ferroni, il sait pas pour la maîtresse. Ah bah, on peut dire qu'il est doué pour les cachotteries, lui. Mais t'as trouvé la trace d'un deuxième téléphone chez son opérateur ? Nada. Et d'une carte SIM prépayée ? Bah, chou blanc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il avait dû lire l'adultère pour les nuls. Peut-être que sa femme l'a lu aussi. Je l'appelle. T'en as combien, là ? 50 par carton, et j'ai ouvert que 2 cartons.
Vous savez pourquoi votre mari est arrivé si tôt avant la réunion? C'est le seul membre du CMIL à avoir fait ça. Il aimait beaucoup Lourdes. Il en profitait pour prendre du temps pour lui. Il était croyant? C'est surtout après notre rencontre qu'il a eu un déclic. C'est moi qui lui ai fait découvrir la ville. Vous étiez où avant-hier soir, madame de Lubac? Chez moi. Seule? Oui. Vous étiez mariée depuis 22 ans, c'est ça? C'est pas commun, une telle longévité pour un couple de nos jours. Tout allait bien? Oui. Bon, écoutez, je suis désolée d'être aussi directe, mais votre mari avait une maîtresse ici à Lourdes. C'est impossible. On a des preuves. Ça ne fait aucun doute. Vous étiez pas au courant? Évangile selon saint Marc, ça vous dit quelque chose? L'épisode là où des esprits de Gérasa ont possédé un troupeau de porcs. Pour les purifier, les laver de leurs péchés, on les a plongés dans l'eau. Je ne vous suis pas. Vous avez découvert que votre mari avait une liaison, vous êtes venu. Vous lui avez donné rendez-vous aux piscines, vous l'avez confronté, ça s'est mal passé, là, dans un élan de colère. Vous l'avez noyé? Vous sous-entendez que... Que j'ai tué mon mari pour le punir? Il était toute ma vie. Tu peux la raccompagner? L'évangile selon Saint-Marc, clairement. Merci, madame Boutière. C'est ma prof de caté. D'après le relevé de carte bancaire de Delubac, il a acheté un collier chez un bijoutier du coin. 300 euros. Pas mal, le cadeau. Sûrement un cadeau pour sa maîtresse. Ou alors pour sa femme. S'il avait finalement décidé de ne pas la quitter. Là, il prévient sa maîtresse, qui, elle, le prend mal, et bam. Ah oui, donc ça y est, pour toi, c'est soit sa femme jalouse, soit sa maîtresse vengeresse. Enfin, quand l'épouse dit, il était toute ma vie... Fais gaffe, tu vas te faire traiter de misogyne. Pardon, hein, mais c'est un mobile. Bah, t'imagines, toi, prendre une trahison pareille après 22 ans de mariage? Mais comment elle aurait les clés des piscines? Bah, c'est peut-être lui qui les avait, les clés. Il ouvre à sa femme ou à sa maîtresse, là. Il lui dit la vérité. Prêt pour un nouveau départ, une nouvelle vie, sans remords, sans mensonges. Mais ça dégénère. Ça va, toi, avec ta femme? Tu comptes me donner des leçons sur le couple? Ah non, non, surtout pas. Pourquoi tu crois que je suis célibataire? Et voilà. C'est ce modèle qu'il avait acheté, l'arbre de vie. Il l'avait fait personnaliser avec une date. Le 16 novembre 2020. Et il était seul quand il l'a acheté? Oui. Il vous a parlé de la personne à qui il souhaitait l'offrir? Non, il m'a seulement dit qu'il s'était rencontré grâce à Dieu. Ah oui, quand même. Oui. Bon, merci. Je vous en prie. Je vais prendre une photo. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir, bonne journée. Ça va? Ouais, nickel. S'ils se sont rencontrés le 16 novembre 2020, ça veut dire que ça fait plus d'un an qu'ils étaient ensemble. C'était du sérieux. Soit il a eu le temps de lui offrir le collier, soit il était dans le porte-document qu'on lui a volé. On a une maîtresse quelque part dans cette ville et une épouse qui a pu découvrir le vrai visage de son mari et d'essayer de se venger. Hein? Ouais, Campello. J'ai trouvé un truc. Delubac a mangé au resto de Clermont il y a 4 jours. Ok. Ok, merci. Delubac a mangé chez Clermont il y a 4 jours. Il a peut-être emmené sa maîtresse. On y retourne. Je te retrouve alors, faut que je passe vite fait à l'hôtel. Mais ça peut pas attendre. Une urgence, mais t'inquiète, hein, je fais vite. À tout de suite. Je peux pas manger. Salut, à demain. Bye. T'as rien fait, hein? Non, je sais, t'inquiète. Tu peux me montrer ton collier, là, s'il te plaît? Quoi? S'il te plaît. Qui t'a donné ça, d'ailleurs? Je l'ai trouvé par terre, je te l'ai déjà dit. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça, je te dis.
Adrien Delubac, ça te dit quelque chose? Non. C'est qui? Il y a un mec plus âgé là qui t'a fait des cadeaux récemment. Un vieux, mais Burke, arrête. Chloé, réponds-moi, s'il te plaît, c'est sérieux là. Mais non, je ne connais pas. À quel endroit t'as trouvé ça? Près du chocolatier, l'Aspéramal. Il y avait des gens, t'as remarqué quelque chose de bizarre? Ben non, non. Attends, tu vas le garder? C'est une pièce à conviction, bordel. Rentre. Tenez, la facture de monsieur Delubac. Merci. Un menu, un verre de vin. Il était seul. Vous espériez qu'il ait rendez-vous avec quelqu'un? Un des médecins qui doit juger de votre guérison vient dîner chez vous et il se présente pas. Bah pourquoi il l'aurait fait? Bah peut-être pour vous poser des questions sur votre dossier médical. Mon dossier est complet. Et puis je pense pas qu'il était censé me contacter juste avant leur réunion. Non, s'il est venu, c'était pour bien manger. Contrairement à ce que vous pensez, les gens viennent ici pas uniquement parce que j'ai été guéri, mais aussi parce que je suis un bon chef. Et d'une grande humilité. Vous avez l'habitude de dire que vous êtes une mauvaise fille, vous? Bien, ça, c'est de la verveine citronnée. Ça se marie très très bien avec le poulet. Très très drôle. Et ça, c'est du huacatay. Ça vient du Pérou. C'est moi qui l'ai rapporté. Joli voyage. Magnifique. Le plus beau de ma vie, un road trip en moto. Je voulais y aller avant de plus pouvoir. Ça vous a mis en colère de savoir que vous étiez condamné? Au début, oui. Puis après, on revoit ses priorités, puis on accepte. Si vous êtes venu prier à Lourdes, c'est que vous acceptiez pas tant que ça. J'espérais pas être guéri. Juste être en paix avec moi-même. Merci. C'est le collier de Delubac? A priori, ouais. Ben comment tu... Aux objets trouvés. Je t'ai posé des draps chez le teinturier pour ma femme. Je suis passé devant, j'ai tenté le coup. Je fais une demande de relevé d'empreinte, on verra bien. C'est grâce à Dieu qu'ils se sont rencontrés. Hein? La bijoutière, c'est ce qu'elle nous a dit. L'église Saint-Jean-Baptiste. À côté du palais des sports, un peu excentré. Ouais, genre un endroit discret pour se retrouver, quoi. Ça va? Hein? Bah, t'as pas décroché un mot depuis qu'on est parti? Désolé. Être un peu tendu aujourd'hui. L'hôtel de ma femme, ma fille, le taf, là, c'est compliqué de jongler en ce moment. C'est quand même grâce à l'hôtel de ta femme qu'on a retrouvé le collier. Hein. Intuition. Un miracle, je dirais même. T'as bien compris ma position à ce sujet. Bonjour. 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 Vous inquiétez pas. Seulement deux, trois questions à vous poser, on sera pas long. Ah oui, très bien. C'est vous qui remplacez les cierges ici? Ouais, ouais. Tous les jours? Oui, ça part très vite. Est-ce que par hasard, vous connaissez cet homme? Oui. Il est venu plusieurs fois. Et il était seul? Il est arrivé seul. Mais il s'asseyait avec une femme. Une hospitalière qui avait ses habitudes ici. Vous savez de quel diocèse elle dépendait? Oui, oui. De l'Anjou. Je m'en souviens parce que ma mère vit là-bas. Bien. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais passer au diocèse. Ce sera pas compliqué d'avoir la liste des noms des bénévoles. Je t'y dépose directement. Ok.
Bah quoi? Elle mange pas de pain? C'est l'anniversaire de quelqu'un? Pourquoi? Je sais pas, vous êtes tous en train de manger du gâteau, j'ai raté quelque chose? T'en as pas eu. Bah, en plus, c'était pour toi. C'est le chef du resto qui te l'a envoyé. Bien. Pour vous faire votre propre opinion sur ma cuisine, Benoît, non mais... Il est bon, hein? Fiona? Ben, moi, j'ai déjà fini. Ça nous change de la cantine. Tiens, je t'ai gardé une part. Tu me fais plus la gueule? On travaille ensemble. J'ai envie que ça se passe bien. J'ai trouvé le nom de la maîtresse de Delubac et je sais où elle est. Tu viens? Ouais. Il est sympa, Olivier. Très sympa. Et tous les deux, là, ça va pas... Pardon, je disais ça comme ça. Ouais, bien sûr. Poser quelques questions, ça va aller. Allez-y. Votre liaison avec Adrien Delubac, ça a duré plus longtemps? Ça faisait à peu près un an. 16 novembre 2020. C'est ça. Sa femme était au courant? Non, pas encore. Mais il allait lui dire, hein. Et ça vous a pas inquiété de pas avoir de ses nouvelles ces dernières 24 heures? J'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Mais je savais que la réunion du CMI la prochaine... C'est vrai que c'était pas son genre de pas répondre à mes textos. Et hier, je n'ai envoyé 2-3. Il avait un deuxième téléphone exclusivement pour vous, hein, c'est ça? Vous êtes du camp pour la dernière fois? On s'est vu mardi. On devait se voir avant-hier, mais il a annulé. Pardon. Et vous avez fait quoi, du coup? On a écouté de la musique, on a passé la soirée en salle. Pardon, excusez-moi. Anna, tu peux venir? Il faut regrouper les autres, sinon ils vont dévaliser la boutique. Et on pourra pas aller aux fontaines. Vous pouvez y aller, hein, on vous embête. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un collègue d'Anna? Oui. Et c'est quoi ces regards? Pourquoi j'ai l'impression que vous avez quelque chose à nous dire? Vous êtes venu l'interroger au sujet de... ce qu'elle fait? Exactement, ouais. Vous en pensez quoi, vous? Je voudrais pas que ça retombe sur la tête de mon évêque. Hein. L'Église a déjà suffisamment de scandales à gérer. Évidemment. Mais c'est promis. Et pour protéger votre évêque, il va falloir nous en dire un peu plus. Merci. Donc vous nous confirmez qu'il vous arrive d'avoir des rapports sexuels avec certains malades? Pas forcément des rapports sexuels. Il peut s'agir seulement de caresses, de peau à peau. Vous savez, c'est tabou dans notre société, la sexualité des malades, des handicapés. On nie leurs désirs, on fait comme si ça n'existait pas. On décide pour eux parce que... ça nous met mal à l'aise. C'est en Suisse, hein, je crois, qu'il y a une assistance sexuelle encadrée. Tout à fait. Attendez, on parle de prostitution? Je me suis jamais fait payer pour ça. C'est comme un don.
En gros, vous offrez à des gens probablement très seuls un peu de réconfort. Sacré raccourci, quand même. Et Adrien Delubac, il en pensait quoi? Je vais pas dire que ça lui était égal, mais il comprenait. Puis de toute façon, la question se posait plus parce que j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je suis enceinte. De Delubac ou d'un de vos patients? Je mettais des préservatifs avec mes patients. Évidemment. Évidemment. Et comment il a pris la nouvelle de votre grossesse? Il était très heureux. Ou alors il a pris les jambes à son cou, tu, vous l'avez pas accepté. Tu veux bien me suivre une minute, s'il te plaît? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Mais c'est quoi cette attitude de gros réac? Bah arrête, je suis pas réac. Je mets juste en avant un mobile possible, moi j'écarte aucune piste. Mais t'es surtout hyper mal à l'aise sur un truc qui ne regarde qu'elle et ses patients. Ouais, tu trouves pas ça un peu? Un peu quoi? Le handicap, c'est aussi très souvent beaucoup de solitude. Okay. On se tourne vers qui on peut. Voilà, c'est ça. Ok, oui, merci. Elisabeth Delubac a un alibi. Les collègues toulousains ont fait une enquête de proximité. Il y a un voisin qui l'a vu sortir ses poubelles aux alentours de 23h. Vous pouvez rayer l'épouse de la liste des suspects. Enfin, une bonne nouvelle. Ça dépend pour qui, ça. Eh, vraiment, je suis pas réac. Ouais. La 37, c'est ça? Oui. Hop. Bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Hôtel du Coron, bonjour. Mais c'est ça qui me fait triper. Ouais, bah au moins, quand t'as les jetons, ça veut dire que t'es vivant. Je sais pas, sans même pas rendu compte que je séchais alors ça. C'est pas si mal d'avoir des parents qui s'en foutent de toi, en fait. Ouais, demain à 20, ok, carrément. Je serai là. Bye. À la place du classique petit carré de chocolat sur l'oreiller. C'est pas mal, non? T'en penses quoi? Non, mais t'en fais une tête, on dirait que t'as vu la Vierge. Tu sais, c'est fait des potes à l'école? J'imagine que oui. T'as parlé de personne en particulier? En particulier? Non, mais comme je débarque, là, c'est pour savoir. Écoute, elle a lancé quelques noms, mais c'est tout. Enfin, tu sais comment elle est, hein, quand on lui pose des questions. Ouais. Alors, je préfère la laisser venir. En même temps, t'as accaparé par l'hôtel aussi, là. C'est un reproche? Non, je me demande si elle va bien, c'est tout. Tu crois que j'ai pas compris que le déménagement était dur pour elle? Justement, comme vous avez été toutes les deux avant que je sois mutée, t'as rien remarqué de bizarre? Qu'elle m'en voulait atrocement, merci, oui. Mais ça passerait plus vite si t'étais de mon côté. Je suis de ton côté, chérie. Non, c'est pas flagrant. Alors qu'on a décidé tous les deux de venir s'installer ici, non? Si, bien sûr. Ouais. Eh ben, hésite pas à lui dire de temps en temps, parce que moi, j'en ai un peu ras-le-bol d'être la méchante de l'histoire. Voilà, j'ai terminé. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, chef. Je vous ai ramené votre plat. Ça vous a plu? J'avoue, c'était délicieux, merci. Puisqu'on est sur une bonne lancée... Quel parfum vous connaissez? Oh, j'en sais rien. Allez? Je sais pas. Fermez les yeux. Quand un sens est au repos, les autres prennent leur lait. Qu'est-ce qui vous arrive, Fiona? J'ai un glaucome. Je deviens aveugle, enfin, dans quelques mois, quoi, bientôt. Voilà, c'est ça qui m'arrive. Je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Parce que parfois, c'est plus facile de se confier à un inconnu. Je sentais bien de la colère en vous. Non, ça, c'est mon caractère. Je suis imbuvable.
Il va vous épuiser, cette colère. Il va vous falloir trouver votre force ailleurs. Vous avez vu la fresque qui se trouve au piscine du sanctuaire? Non? Jésus qui guérit l'aveugle, vous ne connaissez pas? Écoutez, la foi, la prière, tout ça, ça marchait pour vous, c'est super, mais moi, c'est vraiment, vraiment pas du tout mon truc. Ce que je veux vous dire, c'est que... il y a plusieurs façons de guérir. Votre vie va pas s'arrêter quand vous aurez perdu la vue. La joie, la beauté, le plaisir, ça existera toujours. Mais il vous faut accepter ce qui vous arrive. Et plus vite vous le ferez, mieux vous vous en sortirez. De l'origan. Il y a de l'origan dans votre risotto. Mais t'es où? Bon, écoute, Fiona, pour le collier, je t'ai menti. Je l'ai trouvé sur le cou de ma fille. Je suis en train de la filocher, là, pour comprendre ce qui se passe. Elle traîne avec deux mécouches, c'est un cauchemar. Je suis désolé, j'aurais dû t'en parler tout de suite. Bon, mais t'es où exactement? J'arrive. Tout près du sanctuaire, tout de suite. Ok.
Ah, ils ont été bien rodés, hein. J'y crois pas. Elle s'est bien adaptée, ta fille. Hein. Ça va. Fais quoi, on y va, là? Non, attends, laissez venir, laissez venir. Oh, la bande de petits crevards. Putain, il y a les flics, vite! Quoi? Merde. Oh putain, mec, les flics! Hé, hey, stop! Arrêtez-vous! Toi, tu rentres à la maison, t'en bouges pas! Tu rentres à la maison tout de suite! Arrête! Arrête! Stop! Lâche ton arme! Lâche ton arme! Lâche! Lâche ton arme! Je suis bien, mais c'est... Là, ça empire. Ça... Je vois des taches, je dis allô, c'est pour ça. Olivier, au courant? Juste cette enquête, s'il te plaît. Condamnations pour vol, 2 séjours au centre fermé, la vache. T'as bien un joli CV, toi. Vous habitez où avec ton pote? Au camping d'Omec, dans une caravane. Donc ensemble, vous détroussez les touristes. T'as fait longtemps que vous êtes à Londres? 4-5 mois. Rien. Ça doit être la caverne d'Ali Baba, votre caravane. Et vous avez des complices? Non. C'est juste nous deux. On a toutes les raisons de penser que vous lui avez fait les poches la semaine dernière. J'en sais rien, moi je batte pas la tronche des gens. T'étais où avant-hier soir? Chez moi, avec Léo. Parce que tu vois, ce type-là, il a été assassiné. Quoi? Non mais attendez, ok. Ok, on pique des trucs, mais on n'a jamais tué personne, nous. Évidemment, leurs témoignages concordent. Ils se couvrent mutuellement. Pour l'instant, on n'a rien qui les relie à Delubac, mis à part le collier. Il n'y a aucune empreinte exploitable sur le collier. Le labo me l'a confirmé. Je suis désolé de pas t'avoir. Non, t'inquiète. C'est quoi, ça se passe? On se raconte nos dernières vacances. T'as quelque chose? Dans le portable de Léo. J'ai retrouvé des SMS envoyés à une de leurs victimes. Mmh. Il lui propose de rendre les affaires volées, moyennant un bon petit paquet de fric. Il en a envoyé un aussi, à Delubac? Non. Mais bon, ça veut pas dire qu'il a pas cherché à le contacter par un autre moyen. Mmh. Bah ouais. Il lui file un rendez-vous pour monnayer directement les affaires. Il s'embrouille et ça sert lui de mal. Il faut qu'on demande au procureur l'autorisation de perquisitionner la caravane. On y trouvera peut-être le porte-document et le deuxième portable. Hein? Merci de ne pas avoir parlé de Chloé. On a passé un cap dans notre relation, nous, hein?
Je paye un café. Bonne journée, madame. Merci. Ça va, Julie? Oui. Elle est bien rentrée, Chloé? Ah oui, oui, elle est dans la chambre. Hôtel du Coron, bonjour. Oui. Bon, c'est égal. Tu les connais depuis quand? Qu'est-ce qui va arriver à Timothée? Elle est en prison. Ça fait longtemps que tu voles les gens? Ça va, c'était la première fois. Ne fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Ok, la troisième. Mais moi, je fais rien. Je pose juste des questions pour détourner leur attention. S'il te plaît, dis-moi pour Timothée. Ce collier, c'est lui hein, qui te l'a donné. Il t'a dit d'où il venait? Pourquoi? Parce que le type à qui elle l'a volé a été tué. Attends, tu crois quand même pas que Timothée l'a tué? Mais papa, jamais il ferait ça! Putain, c'est quoi, bordel? Ça fait quoi, 2-3 mois que tu les connais? Et l'autre, là? Léo? Je sais pas, t'as jamais surpris une conversation louche entre eux? Mais non. Tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas que Timothée, c'est la seule chose de bien qui me soit arrivée dans cette ville. Ouais. Tiens, c'est les PV d'audition des deux gamins, là. Timothée Bagot et Léo Sarfati. Merci. Non, ça pousse, tes cheveux, hein. Ouais. Faut juste que je trouve le temps, au fait. Je t'avais pas trop mal raté, la dernière fois. La chance du débutant. Olivier, je t'ai pas tout dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas par où commencer. Je file de ta réaction. Pourquoi? Bah parce qu'en plus, tu sais, c'est pas trop mon truc de m'expliquer, donc... Ce qui est pas trop mon truc, c'est le mensonge. Oh, mais je t'ai pas menti. Alors, par omission, mais... Là, j'essaye de te dire ce que j'ai sur le cœur. C'est pas j'essaye, c'est ou tu m'aimes pas, Fiona. Ah ouais, donc t'as décidé de pas me faciliter les choses, en fait. Je sais pas. T'es là, t'arrives pas à le dire. T'as rencontré un mec, c'est ça? T'as quelqu'un? Quoi? T'as quelqu'un? Mais n'importe quoi, mais... Putain, mais laisse tomber. Non, mais attends, mais attends, non, mais Fiona. Non, j'ai rendez-vous avec mon mec. Attends. Bonsoir à tous et bienvenue. Si mes oreilles ne me trompent pas, nous sommes un peu plus nombreux que la dernière fois. Donc, pour les nouveaux, une petite introduction. Nous sommes une association reconnue d'assistance et de bienfaisance et nous accompagnons les personnes déficientes visuelles dans leur vie quotidienne pour toujours plus d'autonomie. Ici, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez des problèmes qui vous préoccupent, nous serons toujours là pour y répondre. Vous apporter un petit cadeau. Comment vous avez trouvé mon adresse? C'est pas une très grande ville. Le vicomte pour Fendu. Vous l'avez lu? Non, mais je me dépêchais de le lire. Je le lisais quand j'étais malade et ça m'a beaucoup parlé. Je vous sers un verre? À volontiers, oui.
J'ai que du rouge et des chips, mais bon. Ça me va, très bien. Tenez. Un grand sage m'a dit qu'il fallait que j'abandonne ma colère, alors j'essaye. Tout votre entourage doit y aller de son petit conseil, c'est ça? Mmh. Pourquoi votre entourage est limité? Non, mais je suis pas complètement asociale, hein. J'ai des amis. Mais je peux vous renvoyer la question, vous avez pas l'air très entourée non plus. J'ai une excuse, j'allais mourir. J'imaginais pas faire supporter ce qui allait se passer à quelqu'un. Pareil. Non, mais vous devenez aveugle. Vous n'allez pas perdre vos muscles en un, la capacité respiratoire de vos poumons, perdre vos reins. Mais bah, c'est bon, vous avez gagné. Mais bon, ça fait un moment que vous êtes guéri maintenant. Vous avez pas eu envie de rencontrer quelqu'un? Mon restaurant prend pas mal de place. Pardon. Excusez-moi, un instant. Ouais. Ça y est, j'ai eu la réponse du proc. On a le feu vert pour la perquise demain matin. Ah, super. Tu passes me chercher pour aller au camping, alors? Ouais. Bon, écoute, la perquisition de la caravane nous permettra peut-être de faire un lien entre les gamins et de Lubac. Et ça voudra pas dire que c'est eux qui l'ont tué. Bah, je passe te prendre à la première. Vous êtes fan de rock, vous? Hendrix. Je voulais être lui quand j'étais jeune. Écoutez, je suis désolée, mais j'ai une grosse journée demain, je vais aller dormir. Je vais y aller. Merci, hein. Non, non, merci à vous. Ça me fait du bien de parler avec vous. J'ai l'air d'Alibaba, là. Ils étaient là depuis combien de temps? 3 mois, à peu près. Ils se sont jamais fait remarquer d'une façon ou d'une autre? Non, ils étaient vraiment adorables. Eh. Adrien de Lubac. Fiona! Quoi? Pas de ça. Ah, putain. Bingo. Eh ben le voilà, je pense à un téléphone spécial adultère. Quoi? Les clés des piscines? Et si c'est ça, nos petits voleurs vont avoir vachement de mal à s'expliquer. Vous êtes dans la merde avec ton pote? Là, maintenant, on sait que vous avez dépouillé de Lubac et en plus, on a la preuve que vous avez eu accès à l'endroit où il a été tué. J'ai jamais vu ses clés. Et c'est la petite souris qui les a mis dans ta boîte à biscuits. Vous lui avez donné rendez-vous pour qu'il vous file du fric en échange de ses affaires. Il a pas voulu. Vous êtes énervé, c'est parti en vrille, là, vous l'avez tué. N'importe quoi. Oh. Bon, déjà, comment vous les avez eues, les clés des piscines? J'en sais rien. Quoi, c'est ton pote qui les avait, c'est ça? Peut-être. Lui et toi, vous avez déclaré que vous étiez ensemble le soir du meurtre, que vous avez passé la soirée à la caravane. Non? Putain, Léon, réveille-toi, merde! Tu prends pour meurtre, là? T'auras 40 ans quand tu sortiras de tôle, c'est ça que tu veux? Moi, j'étais à la caravane. Et Timothée? Il avait rendez-vous avec sa copine. Elle l'a planté. Et il a passé la soirée où, alors? J'en sais rien. Toi, tu bouges pas, on n'a pas fini. Donc ça veut dire qu'il aurait tué de Lubac parce qu'il refusait de payer pour récupérer ses affaires? Bah... Non, non, mais ça peut tenir, mais... Moi, je le vois pas en train de noyer de Lubac. Ça demande de la rage, cet acte, c'est comme une punition. Pourquoi il se serait pas contenté de l'assommer et de se barrer? À ton avis, parce qu'il avait peur d'être arrêté? Non, mais c'est des nomades, ces gamins, ils ont pas d'attache, ils avaient qu'à mettre les voiles et disparaître. Et alors quoi? On va s'asseoir là sur des preuves accablantes? Mais non, mais bah, évidemment que non, mais on n'est pas obligé de se laisser déborder par nos sentiments personnels non plus. Tu veux dire quoi là? Rien.
Loé ? Oui ? Je suis Fiona, la coéquipière de ton père. Ah, c'est vous. Tu me détestes parce que j'ai arrêté tes copains, c'est ça ? C'est pas lui. Il a rien fait. Et c'est ce que t'es venue dire à ton père ? Bah ouais. Alors là, franchement, c'est pas du tout bon. Mais... Ah ouais ? Et de quoi je me mêle ? Je me mêle parce que ton père est persuadé que ton mec a fait le coup. Là, il est super énervé, rien que de voir ta tête, il va monter dans les tours. Moi, en revanche, je suis pas complètement convaincue. Donc si tu veux aider Timothée, laisse-moi faire mon boulot, fous la paix à ton père. Vous pensez qu'il est innocent ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je te promets qu'on continue de chercher. Tiens. Passe me voir. On verra comment on peut se débrouiller pour envoyer un message à Timothée. Puis si t'as besoin de hurler, il vaut mieux que tu hurles contre moi que contre ton père. Non ? Oui. Merci. Tu veux le foutre en taule, mais s'il y va, faut que ce soit pour de bonnes raisons. Ce gamin fait de ma fille une menteuse et une voleuse. Mais 30 ans pour un crime qu'il a pas commis, c'est cher payé, non ? Écoutez ça, de Lubac, il avait rendez-vous avec un toubib à l'hôpital le jour même de sa mort. Super, merci, Compello. Bah, c'est une bonne nouvelle, non ? Bah oui, c'est bien. Oui, le docteur de Lubac est venu me voir il y a quelques jours. Il voulait me parler d'un cas. On peut en savoir un peu plus ? Il était perturbé, il ne m'a pas donné beaucoup de détails. Mais je pense que c'était au sujet d'un de ses patients. Je lui ai dit que, d'après moi, il s'agissait probablement d'une récidive. Une récidive de quelle maladie ? Sclérose en plaques. Merci, professeur. Sclérose ? T'as des signes qui ne trompent pas. Tu sais, le soir, là, au... quand le docteur de Lubac a dîné dans le resto de Clermont, il a peut-être remarqué que le chef était pas au top. Du coup, il en a parlé au neurologue pour en avoir le cœur net. Donc Clermont serait de nouveau malade. L'étude de Lubac pour rester dans la course au miracle. Non, mais il t'a paru perché à ce point-là, toi. Ben... Alors que les clés des piscines, on les a retrouvées dans le mobilhome des gamins. Ben, il a pu les mettre là-bas pour les faire accuser. Les faire accuser ? Je savais même pas qu'ils étaient suspects. Le soir où tu m'as appelé pour me prévenir de la perquise, j'étais avec lui. Il a pu nous entendre. Comment ça ? Attends, il était chez toi ? Non, mais il s'est rien passé, mais... Il est venu me déposer quelque chose, j'aurais jamais dû le laisser rentrer, je sais, voilà. C'est pas à moi de te faire le moral. Hein. Comment il aurait les clés des piscines ? Hein ? Tu te souviens qu'il nous a parlé de repas, là ? Il offrait une fois par mois à des bénévoles pour les remercier de leur boulot. Il a très bien plus utilisé les clés des piscines à responsables, en faire une copie. Faut qu'on retourne au camping. Qu'on regarde les images de la caméra de surveillance. Il est peut-être passé par là avant la perquise. Maxime, viens voir. Bah, tu m'étonnes qu'on n'a rien vu sur les vidéos de l'entrée. C'est sûr qu'en venant ici en pleine nuit, on était tranquille hein, pour découper le grillage. Et comment il a fait pour repérer la caravane ? Bah, les boîtes aux lettres. Et avec les mots mangave, il avait le champ libre pour déposer les clés. Hein. Les traces de bécane, c'est pas ce qui manque ici, mais il y en a une. Il m'a dit qu'il avait fait un road trip en moto au Pérou.
Il a coupé le moteur jusqu'ici. J'envoie une photo à Campello qui vérifie si c'est la sienne. Pour tourner au resto, pour l'interroger. Ok. Je vais y aller seul, Fiona. Je pense que c'est mieux. Dit qu'on essaierait d'envoyer un message à Timothée. Allez, viens. Bonsoir. Excusez-moi, où est le chef? J'ai besoin d'y parler. Ah, il s'est absenté. Ah. Et il revient quand? Ça, je sais pas. Il a reçu un coup de fil et il est parti. Puis il avait pas l'air bien. Il est toujours en garde à vue? Oui. Je peux aller le voir? Non, pas pour le moment. Pourquoi? Je peux rien te dire pour l'instant. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va aller. Ok? Vous êtes sûre, hein? Oui. Oui? Fiona? C'est moi, c'est Benoît, il faut que je vous parle. Tiens, tiens. J'arrive! J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Féroni vient de m'appeler. Allô? Oui? Fiona? Le GNIL. Allô, Fio. A annoncé que. Ma guérison est inexpliquée. Ma foi n'a jamais été aussi éprouvée. Pourquoi? Parce que Dieu vous a exaucé? C'est pas si simple. Oh, vous? Vous étiez vraiment avec le chef l'autre soir? Ben oui. Me raconte pas des cracks, là. Est-ce que vous étiez ensemble, putain, le soir du meurtre? Je comprends pas, là. Putain! Réponds à ma question, bordel! Ok, ok, ok. Il est parti une heure plus tôt que ce que j'ai dit, voilà. Je suis tiraillé. Expliquez-moi. Mon collègue me cherche. Parce qu'on sait que vous êtes malade, Benoît. Vous avez fait une rechute. Il faut vous soigner. Je suis pas malade! Je suis pas malade! Dites-moi ce qui s'est passé. Je suis pas malade. Calmez-vous. Je suis pas malade! Je comprends votre déception, mais il faut affronter la réalité. Je vous ai observé au restaurant, j'ai vu vos mains qui tremblaient. Pourquoi il me fait ça? Qui ça? Dieu. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi? J'aurais préféré crever il y a 8 ans. Pourquoi il me fait croire que je suis sauvé? Il faut pas perdre de temps. Plus vite vous serez pris en charge et mieux ce sera. Je veux pas finir dans un fauteuil en blanc. Tout en blanc, là. Mais on n'en est pas là. Vous allez passer des examens et ensuite, vous suivrez un protocole. Toi, tu vas rien dire à personne. Monsieur Clermont, enfin, tout le monde va le savoir. Je vais faire comme la première fois, ça va. Venez avec moi. Lâche-moi! Soyez raisonnable, venez avec moi. Non, je vous en prie! Je suis pas malade! Je suis pas malade! Je suis pas malade! Je suis pas malade! Il n'y a rien!
qu'il foutait là? Vous avez bien fait de venir me voir. Je voulais juste qu'il se taise. Vous avez été très fort jusqu'à maintenant. Il y a quelqu'un là? Benoît, c'est fini. Il faut vous rendre maintenant. Benoît. Non, faites pas ça. Benoît, faites pas ça. Laissez-moi passer. Benoît, faites pas ça. Laisse-moi passer. Laissez-moi ça. Laissez-la. Laisse-moi passer. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller où? Pousse-toi. Mais elle y est pour rien, elle. Pousse-toi. Ne faites pas ça. Je vais pas crever en prison. Maxime, je suis sur le pont vieux. S'était mis en tête qu'en procédant au même rituel que la première fois, il s'en sortirait. Et c'est la réunion du CMIL qui allait se tenir qui a tout précipité. Ouais, il n'a pas supporté que Delubac le voit de nouveau comme un malade. Bravo tous les deux. Vraiment, c'est du bon boulot. Merci. Ça va? Ouais. Tu fais quoi, là? C'est ce que j'avais du mal à te dire l'autre jour. Bon alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Laisse-le venir. Ouais. On verra. Bon, c'était chouette de faire équipe avec toi, Maxime Delestre. Carrément. Fiona Bézénac. Bah, tu m'as quand même promis de plus utiliser ton arme. Bah ouais. Ça m'a quand même permis de sauver ta fille. T'as toujours réponse à tout comme ça, moi. Hein, c'est super énervant, tu veux. Je sais, ouais. Bon, allez. Ciao.